Le syndicat de la magistrature identifie deux causes principales de la prison comme réponse première au niveau du pénal. La première, c'est aussi bien au niveau législatif qu'au niveau judiciaire, une surpénalisation des situations et une vision court-termiste qui est sur le modèle un fait, une réponse rapide. La deuxième cause, pour nous, c'est le manque de place laissée à la réflexion sur la peine et aussi à la réflexion sur la situation personnelle et l'évolution des mises en cause. Et ça, on peut identifier deux causes. C'est la première, le manque de moyens qui crée une espèce de systématisation dans la réponse pénale. Et la deuxième, ça va être la prépondérance laissée aux procédures rapides de jugement. Qu'est-ce qu'on voit comme solution par rapport à ça? Nous, on a une approche globale au syndicat de la magistrature qui va de l'ouverture de l'enquête jusqu'à la fin de l'application de la peine. Et donc en vrac, les mesures qu'on propose, c'est des dépénalisations, un recours à la détention provisoire très strictement encadré, une place première laissée au recueil d'informations sur la situation des personnes. Et ce qu'on préconise enfin, c'est la création d'un mécanisme contraignant de régulation carcérale, parce qu'on considère qu'un mécanisme incitatif ne suffit pas à endiguer le phénomène de surpopulation carcérale qui est particulièrement inquiétant aujourd'hui.